tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Angel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite du let's play de Tomb Raider Legend. Et vu que j'ai depuis pas longtemps mon boîtier d'acquisition, j'ai décidé de vous faire un épisode de Tomb Raider Legend sur GameCube. Vous pouvez remarquer que ce n'est pas de la HD, c'est assez moche, mais voilà, c'est comme ça, hein. Je pense que si vous avez déjà joué à un jeu Tomb Raider sur PS2 ou PS1, vous comprenez ce que c'est les branchements composites et le fait que ce n'est pas HD, voilà. Même le son est un peu mauvais, je trouve, parce que j'ai un casque, je trouve que c'est assez mauvais. Donc on était au Kazakhstan, on va se mettre, on rush, comme c'était prévu, on garde la tenue comme c'était prévu, tout comme c'était prévu. Je sais pas si... Je crois que je garde les cinématiques. Ouais. J'avais complètement oublié. Je suis contente de vous retrouver pour ce petit... cette suite de Rush Play de Tomb Raider. Vas-y. J'avais raison. C'est un vieux projet soviétique des années 50, appelé Karbolek. Le laboratoire étudiait un ancien morceau d'épée. Mais un événement mystérieux a forcé le KGB à intervenir pour faire le grand nettoyage. Ou presque. On dirait que ça barre dans le dessous. Je crois que t'arrives juste à temps. Voir un peu trop tard. Les Kazakhs se battent avec les hommes de... Attendez. Déjà, je pense qu'il va falloir que dans l'affichage, je mette les sous-titres. Parce que on sait jamais. Hein, des fois, le son, il part en freestyle. Non. Oudamanda, elle est forcément derrière tout ça. Voilà. Ouais. On est relié à cette base militaire. On ne sait pas comment. Si tu trouves le poste... J'ai pas du tout regardé comment c'était les paramètres du jeu, j'aurais dû le mettre de base, mais j'allume le jeu, je fais YOLO. C'est sur quelle carte mémoire déjà? Qu'on n'a pas de parachute. Je regarderai bien encore un peu, mais vas-y. Ok. Maintenant, Lara. Oh putain, Y. Quoi? C'est quoi? Ah, faut maintenir Y. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette blague? Attendez, non mais je vais pas rater là. Eh mais ça c'est les rush plays ça. Maintenant, là. Faut que je maintiens Y. Ok. Très bien, Lara. Mais tu viens de sauter... Attends, non mais c'est quoi cette maniabilité d'enculé de sa mère? Vibration, affichage, caméra. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. On n'a pas beaucoup d'options. Ah non, ça va encore. La GameCube a quelques petits freezes des fois. C'est un peu chiant. Même carrément chiant. Donc on va y aller. Bim! On rush. On rentre en mode YOLO, hein. De toute façon, c'est YOLO style, j'ai envie de te dire. Voilà. On rentre. Et putain, la manette qui fait du bruit. C'est un peu horrible ça. Ok. Wouh, je fais des bugs. Spécialement très beau, mais on fait avec. Voilà, il nous a droppé une trousse de soins, mais bon, hein, on se débrouille bien. Je crois qu'il faut appuyer sur B, non? Y? Ouais. Ok, c'est assez simple en fait. Si vous regardez une manette de GameCube, vous comprendrez que, en fait, c'est relativement simple, même un peu trop des fois. Alors. C'est par où qu'on va? C'est par là, je crois. Non, c'est même pas par là. Je sais plus c'est par où. On doit monter. On doit monter. Ouais. Nickel chrome. Bah, en fait, le fait... Mais pourquoi tu... Ouais, voilà. On voyait son petit boule se déhancher. Voilà, on n'a plus qu'à laisser faire. Je sais pas du tout si on peut passer là. Ouais, on peut passer tranquillou.
Faut tuer lui. Il est habillé différemment. On rentre. Voilà. Wow! Ça vole. Par contre, je pourrais pas faire de cheat. Ah bah non, sur GameCube, le moteur du jeu est complètement différent. Britannique. Donc on peut pas faire de bug. Voilà. Par la porte. Par la porte. Le code est K1879. Спасибо. Поделайте меню дальше. Putain, elle parle bien russe quand même, hein. Elle gère de la fougère. Il faut que je ressorte. Oh putain. Faut que je ressorte. Je ne sais pas de quoi vous parliez, mais je crois que la porte est fonctionnée. Génial. Ça simplifie les choses. Wow! Ça fait un truc chelou dans ma vie. Ma gueule, faut que je te tire dessus. Salut! Bim. Où ça explose? Voilà. D'ailleurs, cinématique. Ah oui, il faut avancer. Voilà. C'est assez moche en fait quand tu réfléchis. Mais bon, on avait que ça à l'époque. Le labo ne doit pas être visible du ciel. Il faut les plans. Et voilà. Ça fait une trotte. Je pense que je vais couper la scène du Kazakhstan en deux. Les sbires d'Amanda ont pris de l'avance. Voilà. De toute façon, ça va être un peu long. Même beaucoup long. Même carrément long. Ne faites pas une blague, Salas, s'il vous plaît. Bim. On est des petits fous. Par contre, là, on rush. Hein. Je cherche pas à savoir. On tue pas tout le monde, là. Ah, ça me gonfle au bout d'un moment. Normalement, il devrait avoir super mal au bras et aux mains aussi par la même occasion. Ok. Vous voyez le mec en blanc? Ok. Voilà. Et là, ça va s'ouvrir. Non? Ça souffle pas? C'est une blague, faut tuer tout le monde? Quelle blague! Ralentissement. Nickel. Ok, fallait juste attendre. C'est bizarre parce que je pensais qu'en tuant tout simplement. Oh mais fuck you, I'm a cat! Oublie le pas. J'ai une autre. Voilà, voilà, fuck you, I'm a cat! Bim, 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 bim! Allez hop, c'est bon, c'est fait. Ah mon dieu, la vieille manette! Et je me souviens des boutons. C'est simple. A, B, tu tournes. Voilà, c'est tout. Ah, il faut appuyer sur A, j'avais oublié ce petit détail. Ah oui, je déteste ce passage. Je crois que c'est un des passages les plus redondants de ce putain de jeu. Alors, je vais vous raconter quelques petits trucs. Je crois que je l'avais déjà raconté, il y avait déjà eu une phase de moto. Déjà, la musique, je l'aime pas. Elle est absolument pas... C'est pas la meilleure. Ah, en plus, on a regen de la vie. Ouais, donc déjà, tu vois, déjà, niveau ambiance sonore, on peut faire un petit peu mieux. Donc on peut faire mieux déjà. Et aussi le fait que... Ah putain, faut tirer. Voilà. Et aussi le fait que... tant qu'on n'a pas tué tous les mecs qui étaient dits dans le jeu, et ben on peut pas continuer le jeu. Donc ça va être à l'infini. Vous voyez, il y a un vieux Bloom... Enfin un vieil aliasing tout pourri derrière. Et c'est juste quand on aura fini, que vous verrez, on le voit plus sur la version GameCube,
et sur ce style de version un petit peu plus, voilà, on voit plus le fait que le décor apparaît bim d'un coup une fois qu'on a tué tout le monde. C'est assez spécial à vrai dire. Bon, on va attendre de se rapprocher au lieu de tirer sur eux. Faut faire attention aux motos qui glissent. Après on va voir des camions. Le problème c'est qu'on a toujours pas de point de contrôle. Ouais, ça fait au moins 5 minutes qu'on fait la même chose. C'est carrément super chiant. Et un petit glitch. Bon, attends, ça fait super mal aux oreilles en plus, moi qui ai un casque. Je vous plains. Ça va être assez horrible. On va te faire foutre. Voilà. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais bim, là le décor commence à s'intensifier. Enfin, il y a moins de... l'aliasing a disparu sur le coup. Il faut faire attention, là. Voilà. J'aime beaucoup la manette de GameCube parce que je trouve qu'elle est... je suis vachement à l'aise dedans. Franchement, pas mal. Et elle répond assez bien, je trouve. Bon, avec une microseconde de décalage, mais c'est pas méchant, quoi. C'est une des manettes avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le faire sur GameCube, parce que pour un rush, il faut être à l'aise. Bim, on récupère ça. Là, on va voir les camions. Vous voyez, ça continue, ça recommence. C'est super chiant. C'est vraiment une des parties les plus décriées des joueurs, parce que c'est franchement vachement chiant, quoi. Voilà. En plus c'est mal fait, bon voilà, c'est pas... Oh putain, ouais, oui. Fais attention, il peut nous couper la route. Ouais. Ouais. Wow. L'explosion assez mal faite. Mais bon, ça me fait du bien de repasser sur des consoles old-gen. Parce qu'on voit la capacité qu'avait la GameCube. C'est pas spécialement moche. C'est pas le plus beau. concrètement, ouais. Encore un camion, putain. Ça ralentit. La GameCube, elle est en train de cracher ses tripes. C'est un peu mauvais. Les ralentissements nous servent vachement. Wouh! Yeah! Ouais, ils ont été au bout de la capacité de la console, ça se voit. Mais c'est jouable. C'est plus jouable que sur PC. Donc c'est un choix que j'ai fait. Peut-être quand je reviendrai sur PC, mais en tout cas, voilà. Là, je sais pas si vous avez pouvoir le remarquer. Il y a encore des gens. Ouais, il y a encore un mec sur le côté. Regardez bien en face. Je crois que c'est bientôt fini. Regardez bien en face quand je vais tuer le mec. Vous voyez le bloom, là? Là, normalement. Là, il y a encore des gens. Merde. Putain, je vais pas pouvoir vous montrer l'aliasing super moche derrière. Je crois que sur la version PC, c'est à peu près le même délire. J'ai fait un truc chelou avec la... Ouais. Encore une trousse de soin. Ouais. Putain, heureusement qu'il y avait un ralentissement. Donc là, vous allez voir, voilà, bim, ça a popé. Voilà. Bon, sur GameCube, on voit quand c'est fini, mais bim, vous avez vu, ça a popé. Je vous ferai un petit ralentissement, si vous voulez. Mais un petit arrêt sur image, mais vous verrez, bim, ça pop. Je sais pas si sur PC, ça fait le même délire, mais sur GameCube, vu que la capacité de la console est pas top top, et bah, on voit directement quand ça se finit. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. Gros bug, désolé, ça arrive, parfois.
Et les chargements sont très longs. voilà, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave. On n'a pas perdu beaucoup, beaucoup de temps. Je sais pas si sur PC c'est moi. Ok. On va essayer. Donc là, on a bientôt fini. Et je pense que le Kazakhstan, je vais le couper en deux parties. Ça sera plus sympa. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je suis en train de perdre du temps pour rien. Oh mon dieu, bon. Au moins, on est au milieu de la mission. De toute façon, c'est 30 minutes la mission. Donc voilà. Bon. Là, c'est super gonflant, ça. Je vais essayer de ralentir un peu. Je fais des petits ralentissements parce que là, je suis en train d'appuyer sur A comme il timbré. C'est peut-être pas le top. Vas-y. Wouh ! Et Zip derrière, là, qui fait son petit truc. Là, j'étais morte une fois. Mon dieu. Voilà. Cinématique. Mon dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à jeu. Ouh, le vieux papier peint derrière. Elle est quand même pas mal bien. Enfin, elle est quand même jolie sur GameCube. Ah, les flammes sont très mal faites, sérieusement. Et là, c'est déshabillé. Ah oui, putain, QTE. Ouf. Ça va être compliqué, je me souviens absolument pas. Y à gauche, X et à droite. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, y a pas de soucis. Ok. C'est assez moche, l'interface du jeu. Y. X. Ouais, je savais qu'il y avait Y et X. La dernière fois, je m'étais trompée. Enfin, quand j'étais jeune, quoi. Quand j'avais touché au jeu. Il y a longtemps. Il y a bien longtemps. Donc, on va essayer, je sais pas, on va essayer d'arriver jusqu'au prochain point de passage et on va s'arrêter là. Je pense, vu que ça fait 18 minutes. Bah en même temps c'est un accident de train. Amanda est déjà à l'intérieur et la porte est fermée. Et maintenant il y a un conduit d'aération à droite de la porte. Je sais le absolument pas par où passer. Je me souviens plus. Je trouverai un moyen. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais chier? Donc elle fait chier. Je sais plus c'est par où le chemin, je pense qu'il faut sauter hein. Mais il n'y arrive pas à la coconne. Mon dieu. Je pense que c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Non? Sérieusement, c'est quoi qu'il faut faire? Je ne m'en rappelle plus. Je sais plus, je vais faire un truc chelou, mais bon, ça va peut-être marcher. Non. Je ne me souviens plus, s'il vous plaît. Non. Ce n'était sans doute pas ça. J'aime bien taper dans les boîtes. Ça me défoule quand j'arrive pas hein, dans un jeu. Je tape dans les boîtes et je regarde ce que ça fait. Non, ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est différent de ce que j'avais imaginé. Non. Ah oui, je m'en souviens. Moi, je crois que je m'en souviens.
M'en souviens. Non mais va te faire foutre! Voilà. Ça marche bien quand je dis va te faire foutre. Faudrait que j'augmente l'éclairage de ma télé parce que là je vois strictement rien, c'est abominable. Bon. Une mention spéciale aux musiques qui sont franchement pas dégueulasses. Mais par contre le jeu, qu'est-ce qu'il est sombre! Mais qu'est-ce qu'il est sombre! Enfin après, voilà, c'est ma télé. Mais je sais plus par où faut aller, peut-être par derrière. Un point de passage. Oh putain, remonte ma cocotte. Qu'est-ce que tu nous fais là? Oh merde. Ok, je suis un peu nulle. Alors je sais qu'on peut passer par-dessus, mais sur PC. Et on peut faire un truc assez joli. Voilà. On se calme bien. Parce que les bugs, il y en a pas mal sur GameCube. Ouais. Ok. Je sais absolument pas par où aller. Sans doute en face. Désolée, je suis rage, j'ai eu un problème de capture. Voilà. On est de retour pour jouer des mauvais tours. Oui bah c'est bon, j'ai vu. Oh. Tiens-moi celui-là. Elle saute jamais, hein, franchement, en plus. Au niveau de la caméra, c'est pas au top. On va essayer d'avancer un minimum. Oh merde. Trousse de soins. Plus froid ici qu'à l'extérieur. Bah logique. Okay. Est-ce qu'on va avoir un petit point de passage? Attention. Mais what? Putain, elle saute pas celle-là là. What? Mais pourquoi tu sautes pas? C'est une blague. Mais c'est une blague, j'espère. Voilà. Attention quoi là? Ah, c'est par là. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de rebrancher le courant. Ouais, ouais, je sais. Je crois qu'il y a quelques appareils là-dedans qui ont besoin de jus. Le chauffage doit en faire partie. C'est une blague. C'est complètement con. Ah oui, je crois qu'on peut faire ça. On essaie de monter. On peut toujours revenir en arrière dans ce jeu. On va essayer de descendre. Essayer de se pencher, se balancer à fond. Je sais pas, vous me direz si vous avez déjà joué sur PC et que vous voyez des différences. Moi je les vois pas trop. Après peut-être c'est des bugs graphiques. Voilà. Point de passage, je suppose. Voilà. Les générateurs de secours. Elle est entrée par les portes principales. Je crois pas qu'elle est venue ici. On dirait qu'il y a un générateur de l'autre côté de la salle. Elle l'aurait mis en route. On va se mettre à la lumière. Voilà. Et donc on va se laisser là au bout d'une vingtaine de minutes de vidéo et bah, on fera la partie 2 du Kazakhstan. Il y aura un petit boss. J'espère ne pas vous spoiler. Bon, enfin bref. Je continuerai sur GameCube, bien évidemment, cet épisode. Enfin, le prochain épisode, je continuerai sur GameCube. Et si vous y avez des remarques et que vous avez des différences notables entre la version PC et GameCube, moi, je suis bien entendu à l'écoute. Et je trouve que, franchement, c'est pas mauvais, là. Graphiquement, c'est pas mauvais pour de la GameCube. Bon, après, on peut faire mieux. Voilà. On voit pas les boobies. Enfin bref. Allez, je vous laisse
Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!